Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Huawei qui est dans la merde. Huawei est dans un conflit avec les États-Unis. Ça a commencé en 2012 avec une affaire de cyberespionnage et aujourd'hui encore ça continue. Donc bah ils ont les jetons. Hein, ils ont les jetons. Alors Huawei c'est chinois, pour ceux qui savent pas, c'est chinois, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes avec les États-Unis, et surtout qu'en ce moment États-Unis et Chine, c'est pas top hein, en termes de relations, il y a eu beaucoup mieux. Merci Donald Trump hein, en tout cas, parce que là, ils sont dans une sacrée merde. Huawei disposerait d'un OS de secours, d'un système d'exploitation de secours, pour remplacer Android et Windows sur certains de leurs appareils, parce que tout simplement, ben, si il y a une décision de justice qui est défavorable, bah Huawei pourrait plus utiliser les licences d'Android et de Microsoft. Et du coup, bah, ils pourraient plus installer Android et Windows sur leurs ordinateurs et leurs tablettes et téléphones. Du coup, bah, ils peuvent plus rien faire. Ça fait depuis 2012 que Huawei travaille donc sur son propre système d'exploitation maison. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'image, il n'y a rien qui fuite. Cependant, il y a l'un des cadres dirigeants de chez Huawei qui a affirmé qu'ils avaient, je cite, « Nous avons préparé notre propre système d'exploitation s'il s'avère que nous ne pouvons plus utiliser ces systèmes, donc sous-entendu Android et Microsoft, nous serons prêts et nous aurons notre plan B », fin de citation. Ça a été dit par l'un des cadres dirigeants de Huawei, j'essaie de chercher son nom, je l'ai noté, Richard Yu. Ça s'écrit comme ça, Richard Yu. Il a révélé ça à la presse allemande Die Welt. Donc ben drôle d'affaire, hein. Huawei ne pourrait bientôt plus utiliser Android et Windows pour installer ça sur leur machine. Ils espèrent aussi que ça se règle à l'amiable, hein, bien entendu. Ils espèrent que allez, c'est bon, on écrase le coup. Enfin, t'as quand même fait une connerie, tu vas payer une amende et puis voilà, terminé. Voilà, c'est une vidéo très courte, j'avais juste que ça à vous dire. Moi je suis un peu inquiet aussi. Ça me fout un petit peu les miquettes, hein, cette histoire. Donc affaire à suivre, on va bien voir comment ça va se terminer. C'était Seb, je vous souhaite de passer un bon week-end, et puis c'était une vidéo très courte, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'essaye de réduire un petit peu. Si ça vous plaît, ce format de vidéo assez condensé, ben, thumbs up, hein, pouce bleu, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche s'il vous plaît, parce que c'est hyper important, sinon tu reçois pas mes dernières vidéos, et c'est chiant, parce que je fais des vidéos de qualité, hein. Ah oui, que je fais des vidéos de qualité, t'es obligé de le dire, je te donne 100€, bon après j'ai pas dit que j'allais le faire, hein. Je vous souhaite de passer quand même un bon week-end et à la semaine prochaine, dimanche 18h. Ciao ciao!